www.casarema.fr. Il faut prendre tout son temps. Et c'est moi, tant au pensa. Prie de tout ton cœur. On est là, pensa la carte à mon thème. L'esprit te bat. Pour mon lit, mon aller. Une fois l'esprit te bat. Ce qui mon lit, mon lobby. Fais le convaincre. Tiens, il dit qu'il y a. Ne force pas les choses. Au bout de la macambote. Ni n'y a pas de cotaliba. Quoi? Lui, mon lobby. Oh oh. C'est ainsi que mon lobby, frère, a attaché ma sœur. Ah oui, tu dis, vous allez naïe. Nasima bizale likande mama lobi singe si longwe alie pondu tango si alie pondu bongo nasima yo loba te na moni bizale li oyo eza mwasi afi na ngate baboya ka mwasi te poaza sorcière serviteur de dieu yo ganga baboya ka mwasi te poaza na ndoki loba yo siko oza musali ya nani soki oza musali ya nzambe nzambe aza incapable ya kokanga olena kindo. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Le Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, grand Dieu et grand Roi. Merci pour ta grâce, merci pour cette soirée de l'éternel. Jésus, jamais homme n'a parlé comme toi. Nous nous recommandons à toi pour que tu nous touches au travers de ta parole. Que toute œuvre qui ne t'honore pas, puissance du mal, force de l'ennemi, soit terrassée au nom de Jésus-Christ. Règne en maître, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Prenons place, acclamons le Seigneur, mon interprète, il est. Et aujourd'hui, c'est notre jour d'enseignement. L'enseignement est différent de la prédication. Nous avons parlé de Matéa et qui s'est dit n'a au terme. Amen. Amen. C'est important que le peuple de Dieu soit enraciné dans la parole. Et ça, dans mon tuyau là-bas, dans le bas, pas dans la carte de Malaki, c'est dans le cours. C'est vraiment très important. Nous avions dit ceci. Dans le principe de la bénédiction. Hein? Dans le principe de la bénédiction. De la bénédiction. Il y a ma pamboli. Il y a deux choses qui comptent. Makaomi balé et ça la motoya. La première. Il y a l'iboso. Le temps. Ezande tango. Yaliboso yangoan. La deuxième des choses. Yami balé. Les lieux. Ezali esika. Dieu ne bénit pas avant le temps. Nous sommes pas pour la gâter. Il ne bénit pas après le temps. Dieu ne vient pas avant le temps. Dieu ne vient pas après le temps. Il vient au temps. Ayaka ndé na tango koki. Or, parlant du temps, un jour on avait parlé du Kairos, n'est-ce pas? Toujours dans la Kairos. Et Pédisus. Chronos. Pédisus. Alléluia. Amen. Il y a le temps habituel. Et voilà, temps de bon message. Le temps normal. 16h, 15h, les 22. C'est donc, c'est comme qui dirait le calendrier. Des humains existent, mais il existe aussi le calendrier de Dieu. Dieu ne marche pas par rapport aux calendriers humains, mais Dieu marche avec son calendrier. C'est bon? Donc, le temps et les lieux sont très importants. Et tout ça, ça demande le discernement. C'est bon? Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Savoir discerner. Koroba ko sosola. Quand quelqu'un discerne bien le temps et les lieux, il est béni. Ça veut dire, comme notre thème, le thème c'est le mouvement de la bénédiction. Amen. Amen. Le mouvement de la bénédiction. Notre texte de base, c'était un roi. Pardon? Amen. Amen. Là, on nous parle d'Élie. Voilà, basolo basolo moto. Élie. Hein? Amen. Élie. Élie. Et Pélissus. Le torrent. Pé Maïko Bimalali Banga. N'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Élie. Élie. Et le torrent. Na Torah. Dieu par Élie. Il a dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma part. Pendant ce temps où la sécheresse est en train de battre les records, cet homme qui a écouté la voix de Dieu devait être épargné de cette sécheresse. Mais pour ne pas vivre la sécheresse, parce que la sécheresse est en train de battre son record dans le monde, il fallait qu'Élie se retrouve à son endroit de la bénédiction et au temps de la bénédiction. C'est ainsi, après avoir prophétisé, directement Dieu lui a dit, va-t'en d'ici, va au torrent. S'il pouvait attendre 3 jours, 4 jours, 5 jours, il allait souffrir de la famine. Vrai ou faux? Ça veut dire que c'était le moment où il devait s'élever. Dieu peut créer des circonstances pour te faire entrer dans ton temps. Hein? Il peut créer des circonstances. Moïse devait être formé. Il savait pas qu'il devait être formé. Quand le temps de la formation a sonné dans sa vie, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé des circonstances pour qu'il puisse fuir l'Égypte et qu'il se retrouve chez Jethro. Pourquoi seulement pendant ce temps? C'était le temps de la formation. Et si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Moïse a quitté Égypte à 40 ans. Et il a fait 40 ans chez Jethro. Et 40 ans dans le désert. Et il est mort à 120 ans. C'est clair? Malam. Alléluia. Amen. Hein? Boy. Là, nous frôlons pour dire ceci. Voilà, tu peux avoir l'appel de Dieu. Un appel authentique. Mais tu dois comprendre aussi qu'il y a un temps de la formation. Si tu rates le temps de ta formation, Dieu va se servir de toi. Mais tu seras comme, ce, comme qui dirait une bombe à retardement. Alléluia. Amen. Qui va tuer des gens par manque de la formation.
Jésus savait qu'il devait se servir des apôtres. Il a pris 3 ans de les former. Et après, il les a largués dans le monde. C'est à cause des 11 formés et l'évangile nous est parvenu. Et pourtant, parlant de la formation, nous avions dit par rapport à la formation des serviteurs, il y a deux sortes de formation, n'est-ce pas? Amen. Amen. Deux sortes de formation. La formation verticale et la formation horizontale. Alléluia. Amen. La formation verticale, c'est quand Dieu nous forme lui-même. Et comment Dieu nous forme? Il nous forme par les circonstances de la vie. Tu te retrouves orpheline, orphelin, sans appui. Tu apprends te débrouiller dans la vie. Pendant que tu avais tes parents, tu étais peut-être orgueilleux. Mais par manque de moyens, par manque d'une personne qui peut te soutenir, tu te soumets aux réalités qui feront assez que l'orgueil puisse tomber. Alléluia. Amen. D'ailleurs, nous avons l'habitude de le dire. L'expérience m'a rendu sage. Hein? Amen. Ça veut dire c'est une sagesse que tu n'as pas acquérie sous les bancs de l'école. Mais c'est Dieu qui te donne cette sagesse au travers des circonstances de la vie. C'est pourquoi tout ce qui t'arrive dans la vie, tu dois chercher à tirer des leçons. Quand tu ne tires pas des leçons, tu n'as pas encore compris. La formation horizontale, bongo, c'est auprès d'un maître. Amen. Amen. Dieu te forme, oui. Et d'ailleurs, la formation divine, elle est pour toute la vie. Toute la vie. Toute la vie, Dieu va te former. Parce que la vie est faite de circonstances bonnes et mauvaises. C'est ça la vie. Dieu va te former toute ta vie. Mais tu as aussi besoin de la formation auprès d'un maître. Un maître, c'est l'image d'un serviteur de Dieu qui a l'information avant toi. Tu es à ses pieds. Il te forme. Il te donne des leçons qui vont te permettre d'émerger. Vous verrez. Samuel était auprès d'Eli. Eli, le sacrificateur, il était le maître de Samuel. Pour preuve, quand il écoutait la voix de Dieu, il ne savait pas discerner la voix. Il fallait quelqu'un qui a déjà écouté cette voix pour lui dire: la voix que tu écoutes, ce n'est pas ma voix, Elle, mais c'est la voix de l'Éternel. Cette fois-ci, une fois tu entends cette voix, ne reviens plus me voir, mais agenouille-toi pour dire à cette personne: Seigneur, ton serviteur écoute, parle. C'est une formation. Il a écouté. Il a eu l'information. Au travers d'une personne qui a déjà l'expérience. C'est bon? Dieu a appelé Moïse. Bien qu'il a fait des miracles par Moïse, Moïse avait besoin d'un conseil. C'est Jéthro. Isaac est Jéthro. Jéthro est venu, il a dit à Moïse: Dieu se sert de toi, c'est bon. Mais tu dois établir des chefs qui vont t'épauler. Est-ce que Dieu était contre l'idée de Jéthro? Non. D'ailleurs, la Bible stipule ceci. Dieu a dit à Moïse: je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je vais répandre ça sur les sceptres. Comme m'a dit Jéthro. Jéthro, c'est l'image de ton pasteur. C'est l'image aussi
Il y a plusieurs formations. Il y a matin et belé. Nous pouvons recevoir dans ce monde. Il y a les cours de théologie. Les conférences qui peuvent t'aider à croire. Moi, j'encourage les fidèles à rechercher la face du Seigneur et à rechercher la connaissance. Il y a même des clubs, nous l'avons fait. Nous avons des clubs de partage. Chaque vendredi ici. Toi, tu ne viens pas. Il y a partage. À 15h. Alléluia. Amen. Ce sont des clubs qui nous permettent de faire croître notre connaissance. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Madame. Donc, Elia, il y avait une personne qui avait posé la question. Qui l'avait formé. Attention, dans la Bible, quand on typifie, on montre quelqu'un. La Bible, sans origine. Il révèle ou il cache quelqu'un. Vous verrez qu'après Elie, il y a Élisée. Élie Sabimaki. N'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Élie, c'est l'image de notre Seigneur Jésus. Élie, moko Yesu Masi en colonne abisso. Élisée, l'image de l'Église. De etonga to ecclesia. Ça se justifie. Ezo monisama. Élie devait monter. Élisée reçoit le manteau. Élie ça zoe lamba. C'est avec le manteau d'Élie qu'Élisée a opéré ses miracles. Nakasa hein? Esabo. Oh, c'est pas ça. Le dernier miracle d'Élie, Amen. Et le premier miracle de l'Église, c'est recevoir l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élisée, c'est l'image de l'Église. Élisée. Et ça nous démontre que Christ n'a pas des origines. Donc, il n'a ni père ni mère. Marie n'est pas la mère de Jésus. Elle est la porteuse seulement. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est bon? C'est par rapport à la révélation. Par rapport à l'humain, on peut dire que Marie, elle est la mère de Jésus. Mais en réalité, elle n'est pas la mère de Jésus. Parce que Dieu n'a pas une mère. C'est bon? Madame. Est-ce que ça clair? Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Petit, ma boko, ma casse pour la colo. Jésus. Donnez-moi toute votre attention. Elia devait vivre malgré la sécheresse. Mais il doit vivre comment? Dieu a privé le monde de la pluie. Mais il fallait une mesure de grâce. Alléluia. Amen. Mais la mesure de grâce est donnée à qui? À Elie. Et là, parlant, nous comprenons le mouvement de Dieu. Amen. Il devait aller au torrent de Kérit. Alléluia. Amen. Ça veut dire pour échapper. Pour échapper de la sécheresse, il devait se retrouver quelque part. Mais pas selon les mouvements des hommes. Mais selon les mouvements de Dieu. Le mouvement de Dieu pour sa bénédiction n'était pas chez Akab. Mais le mouvement de Dieu pour la bénédiction d'Élie était au torrent. C'est bon. Mais vous verrez. Vous allez remarquer avec nous, il y a 20 ans, bien approprié pour qu'Elie reste au torrent. Après ce temps-là, il devait déplacer. Ça veut dire qu'il y avait un temps fixé pour que le torrent entre en action dans la vie d'Élie. Par là, nous comprenons plusieurs leçons. Dieu peut susciter quelqu'un qui te soutient aujourd'hui. Profite du temps où il te soutient. Pas par rapport à l'impudicité. Ce n'est pas ça. Hein? Amen. Parce que les gens comprennent mal. La parole. Alléluia. Amen. Dieu peut susciter quelqu'un.
qui te soutient. Asungayo. Il te prend en charge. Azuo pensa. Sans que tu puisses pécher. Sans que tu marches dans la compromission. Mais il te soutient. Il est là pour toi. Profite. Dieu peut susciter même tes parents. Profite pendant que tes parents sont en vie. Pour étudier. Il y a un temps pour ça. Tu ne connais pas le lendemain. Profite de ce temps. Tu es comme Élie au torrent. Mets en tête un jour. Ton père peut mourir. Papa, ta mère peut mourir. Ta grande soeur peut mourir. Elle peut se déplacer. Elle peut se retrouver dans des conditions difficiles. Vous n'êtes pas te soutenir. Hein? Landa. Ne vois-tu pas un torrent devant toi? Hein? Alléluia. Amen. Ne vois-tu pas un torrent devant toi? Il y a des ceux-là qui ont négligé. Mon papa a beaucoup d'argent. Après, le papa est parti. Papa Koufi. Il s'est retrouvé orphelin. La raison devient je suis orphelin. Est-ce que les orphelins n'ont pas étudié? Déchiffre ton torrent. Accroche-toi au torrent pendant le temps du torrent. Sache qu'un jour, le torrent sera à sec. Quand le torrent est à sec, Dieu ne va pas t'abandonner. Il va ouvrir une autre porte qui permettra à sa provision d'être active dans ta vie, mais pas par le torrent. C'est bon? Ça veut dire le mouvement de Dieu par rapport à Élie. Pendant un temps, si Dieu, pendant qu'il avait dit à Élie, le matin, le corbeau va te nourrir, et le soir, si tu boiras de l'eau du torrent, et que Élie s'est retrouvé chez la veuve, et ça répéta. Est-ce qu'il allait vivre le miracle? Hein? Si on inversait, Élie chez la veuve de Sarepta, le torrent vient. Élie kuna tora kote mususu yesima. Il allait vivre le miracle. Alléluia. Tu ne peux pas marcher selon tes mouvements. Tu dois marcher selon les mouvements de Dieu. C'est ce qu'on nous a prêché. Le mouvement de Dieu par rapport à Élie. Pendant un temps, c'était le torrent. Et quand le torrent est à sec, Dieu l'envoie chez une veuve pour la survie d'Élie et de cette veuve. Alléluia. Amen. Et de cette veuve. C'est bon? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Les gens se comportent comme Jonas. Ils regardent avec les yeux. Dieu ne marche pas par rapport aux vues. Dieu marche par rapport à ce qu'il a posé, à son programme. Tu peux juger quelqu'un par son apparence. Peut-être que Dieu a prévu que cette personne soit une grande bénédiction pour toi. Personne n'est né avec les biens ou les moyens. Tout, on les a reçus ici sur terre. Autant qu'il est devenu milliardaire, millionnaire, toi aussi tu peux devenir milliardaire. Millionnaire. Ça doit te réconforter, mon frère. Alléluia. Amen. Hein? C'est bon. Boye. C'est bon. Boye. Vous conviendrez avec moi. Par rapport aux questions, je réponds. La clé pour que Élie puisse comprendre les mouvements de Dieu, la première clé, c'était l'écoute. Il y a qui de l'esprit. Yamolimo. La deuxième des choses, bon, parlons d'abord
Tu veux entrer dans le mouvement. Il faudrait être à l'écoute de l'esprit. Si tu n'es pas à l'écoute de l'esprit, tu n'entreras pas dans le mouvement. J'ai répondu. Hein? Être à l'écoute de l'esprit. Le Saint-Esprit parle. Dieu parle, frère. Il parle réellement. Pour n'importe quelle question, Dieu peut te répondre. Une maman avait besoin d'une orientation. Elle est entrée en retraite. À côté de l'ensemble. Trois jours. Le Seigneur n'a rien dit. Mais quand ils ont pris le transport pour rentrer à la maison, de la retraite à la maison. Alléluia. Amen. Dans le taxi bus. Elle écoutait la conversation des deux personnes qui étaient devant. Cette conversation était textuellement. Ça répondait aux questions qu'elle a posées à Dieu. Et pour finir, cette personne a donné même la piste de la solution. Et ils sont descendus. Directement, l'esprit a parlé à la maman. Pour dire, mais tu es entré en retraite pour que je puisse te répondre. Tu as écouté ma réponse. Dieu répond d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est écrit dans Job 33, c'est 14, n'est-ce pas? 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une. Même la souffrance est un langage de Dieu. Même le silence de Dieu, c'est un langage de Dieu. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu te poses tant de questions. Dieu ne répond pas. Le silence de Dieu, ça peut être une réponse. D'abord Dieu. Hein? Il y a plusieurs personnes au milieu de nous. Dieu leur a parlé. Mets-moi à l'épreuve. D'abord moi. Et le reste après. Même ceux-là qui ont suivi ces messages sur le net, l'esprit les a parlé. Prends les 10 000 dollars que tu as. Donne à l'église. Prends les 5 000 que tu as. Sème dans mon œuvre. Après, tu vivras les miracles. Et ça rend bon à garantie. Et ça rend bon à bon. Mes enfants vont. Iront en vacances. Je puisse prendre ça. Mais qui t'a donné ce que tu as? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Pour ne pas obéir à la voix de Dieu. Parce que quand on écoute, on doit obéir. Hein? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien aimé, il fallait que l'obéissance d'Élie. Il fallait l'obéissance d'Élie pour que le corbeau vienne. Si Élie n'a pas obéi, le corbeau n'allait pas venir. Dieu te parle. Dieu te demande 10 000 dollars. Il te demande 5 000 dollars. Si tu regardes ton commerce, hein, pour dire que n'ako kweya, n'ako pianza mbete, ako démontré yo, ke utananga. Amen. C'est pourquoi nous l'avions dit. Tous ceux-là qui n'ont pas obéi à la voix de l'esprit, ils ont subi le sort du jeune prophète, les lions. Amen. Amen. Ils ont subi comme Anania et Saphira. Ils ont écouté la voix, mais n'ont pas obéi. Il y avait une maman. Il y avait des bijoux. Écoutez ce témoignage. On a fait des appels des fois parce qu'on devait acheter une parcelle pour l'église. A essayé de dire, ah, tu peux essayer de faire un bijou. On appelle ça un bijou. On appelle ça. A kangi moutema, bazolo, bakangi matouim. Kangi kaka moutema. Pour finir, l'appel des fois, elle est rentrée à la maison et la nuit. Mais il va kota. Ba
viola bana ba ibi kofrenyon so abijunyos et le matin elle est venue pleurant aya zolela si je savais so kina yebaka j'allais même offrir ça à l'église. Naina pesa ngata le tonga que le Seigneur se souvienne de moi. Nzamba kanisa ngai maintenant na zangi yango na ko sambe la teke ko bana nzambe kanisa nga au kanisa nga na nini parce que muibi nde muto ose pena nango. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là. Et ça la mingi. Aki na mbongo na église. On a fait l'appel de fond à boy kopé sa zonga na ngwe bunga. A luki a ngwe monana tetile. Hein? Amen. Hein? Amen. Frère, la Bible dit ceci. Bible le dit. Si vous entendez sa voix. Tango bozoyo ka mongongo na ye. Vaut mieux ne pas écouter sa voix. Mais quand tu entends la voix de l'Esprit, obéis à l'Esprit. La bénédiction est liée à l'obéissance. Maman, le vin s'est changé, l'eau s'est changée en vin pendant qu'il obéissait pour aller servir le coordonnateur de la fête. Marie a dit. Marie Alobi. Alléluia. Amen. Le vin manque. Masangizati. Quand elle est venue chez Jésus, elle savait que Jésus allait faire quelque chose. Aye bien, so ko sa loko moko. Hein? Après, Christ a réagi. Yesu Alobi. Pour dire, femme, moi si. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ni les autres. Mon heure n'est pas encore arrivée. Tango langa e komina noti. Marie Atalieka. C'était une interpellation. Je croyais que c'est toi qui es le maître des temps et des. C'est la prophétie que j'ai écoutée. Christ s'est ressaisi. Et Marie a dit aux disciples. Si vous voulez que ce miracle puisse s'accomplir, il y a une chose que vous devez faire. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce que l'Esprit vous dit. Pour l'achat parcelle. Pour la consommation. Faites ce que l'Esprit vous dit. Obéis à la voix de l'Esprit. Ne fais pas de projet. Cette veuve avait dit. J'ai un peu de farine. Un peu d'huile. Une fois préparé pour moi et l'enfant. Nous attendons la mort. L'homme de Dieu a dit. Ne réfléchis pas ainsi. Obéis d'abord. Parce qu'il est écrit. Parce que Dieu m'a dit. Il ne manquera pas. D'huile. Ma fouta, la farine. Pe fufu, na kati na ndako na yo. Elle pouvait refuser. Le miracle n'allait pas. C'est manifesté. Mais quand elle a obéi. Elle a obéi à la voix de Dieu par son serviteur. C'est alors que le miracle de la multiplication a commencé. Et bandi. Faites ce qu'il vous dira. Ils sont partis. Maître, nous sommes là. Maman Marie nous a dit. Mama, de faire ce que tu nous dis. Écoutez ce que Christ le dit. Prenez les jarres. Remplissez. Boto di sango na ba mai. Batosi. Robinet. Oh, bati. Amen. Amen. Nous avons rempli. Tosi ici mon conse. L'obéissance. Botosi. Niveau par niveau. Non, komata li kolo la komata. Ils ont rempli. Baton d'ici. Les jarres. C'est facile. Et si. Hein? C'est facile. Et ça pété. Après, écoutez ce que Jésus a dit. Allez servir le coordonnateur de la fête. Ah, bateau qui m'a ébiso. Hein? Oh, ma problème, t'es. Bateau qui m'a ébiso. Qui? Biso. Nous. C'est nous qui avons puisé des. Tu nous demandes d'aller les servir. Maï. Mais nous qui avons puisé de l'eau, nous savons que c'est de l'eau. Il n'a pas besoin de l'eau. Il a besoin du vin. Mais tu nous demandes de les servir de l'eau. Ils n'ont pas discuté.
Écoutez, peuple de Dieu. Une fois tu doutes à quelque chose, rien n'arrivera. Quand tu prends la décision d'obéir, tel que Dieu te parle, le miracle vient. C'est ça le secret. Dieu te parle de donner 10 000 dollars. Mais tu t'élèves. Pour dire, je donne 300. Tu as obéi. Otosi. Je pose la question à l'église. Tu as obéi. Tu n'as pas obéi. Otosi. Tu seras béni. Tu ne seras pas béni. Hein? Quand Dieu te dit, prends tous tes super. Sème à l'église. Lola le tonga. Prends tout. Quand Dieu te dit va, prends tout ce que tu as comme argent. Sème dans mon œuvre. Donne tout. Quand Dieu te dit dans ce que tu as, donne 3 000. 33 000. C'est clair. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas discuté. Ils ont pris les jars. Et ils sont partis vers l'organisateur. Alléluia. Amen. Et étant conscient qu'il y a de l'eau, mais parce qu'il m'a dit d'aller servir, je vais servir. Et ils sont partis comme servants du vin. Hein? Hein? Ils ont servi le vin. L'ordonnateur de la fête. Quand il a goûté, il a confirmé que ce n'était plus de l'eau, mais c'était le vin. Ça veut dire il y a eu transfert de l'eau en vin. Le parcours de l'obéissance. Amen. Amen. Dieu parle à quelqu'un. Il faut écouter l'esprit. Il faut obéir. Écoutez, moi j'ai toujours donné conseil. N'écoute pas une prophétie. C'est bien d'écouter les prophéties, mais Dieu peut te parler aussi. Toi-même. Le vrai témoignage, c'est par rapport à ce que Dieu te parle. Je suis venu consulter Dieu. Qui est l'homme de ma vie? La personne Moutou, que tu consultes, tu oublies qu'elle est humaine. Elle a aussi des penchants. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Par le fait que vous êtes familier. Le quoi, bobe, sana, sana. Et que par hasard, nanzela, pourquoi, ya, libaku, il a déjà écouté les propos de Moukame Popol. Disant que, Kolobaka, en tout cas, cette sœur, vraiment, c'est moi rouille. Je l'apprécie. Nalinga si le Seigneur me faisait grâce, so, je peux la prendre en mariage. C'est un projet. Eza, ma bongi. Mais il s'est exprimé. Amilo, alléluia. Amen. Toi, tu viens consulter. Yosko, yé, nanzela, na, directement. Balamoko. La partie humaine peut agir. Nzoto ko kipe ko sala. Pour dire, il y a musicate. Il y a musicate. On va la vie neuve, Moukame Popol. Je vous dis, on a vu ça dans les églises. Sale mala bitonga. Oui, je vous dis, frère. Ezaya solo. Amen. Amen. Moi, j'ai été victime de ça. Ngala kwa kila likama wana. Mais heureusement pour moi, j'étais très prudent, frère. Kasi lazaki na bo kebi makas. Eric témoin. Eric Azali. Une sœur a fait a une vision. Sœur Azui et Moniseli. Qu'elle s'est mariée à Bali. Mais l'homme c'était moi. Ngane mo Bali. Elle m'a pas dit. Aibisi. Elle est partie raconter ça. À un frère. Ngone ndeko moko mususu. Hein? Ses frères l'a raconté à un pasteur. Bongo ndeko akobisa na to. Le concerné inconscient. Ngai kuna na ebité. Je prêche. Na ina tei. La sœur après la prédication, na maman boîte à Milik. Les bancs. Bakadoe Bali. Yango Kabelo. Kamata. Alléluia. Amen. Des cadeaux. Moi j'ai trouvé ça normal. J'ai prêché. Nazozoa. Dadi. Non, formidable. Kitoko. Seigneur, que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour du lait. Et quand elle arrive à la maison, elle n'entrait pas. Ce sont ses amis qui entrent. Ah, pourquoi elle n'entrait pas? Pourquoi elle n'entrait pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où je me suis fiancé. Bongo mokolazo ki bandisi na ngai. Hein? Bongo te. Solo bongo. Elle s'est fâchée. A tomboki. Bona mobali a vie na nga. Comment ko bala mutu libala ne ko kufa sans effet au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Libala ne kokufa. Et kufa ndengeni. Nzamba lobeli yo. Oh non, j'avais fait un rêve. Et on m'a convoqué na cellule. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es un grand Mukambi. Comment tu peux faire ça? Moi, je n'ai jamais dragué une sœur. Non, c'est faux. Il y a une sœur qui témoigne. Mutumo kazo tato la wa. Ah, tato la. Qui? On m'a donné le nom. J'ai dit, mais c'est bien. Cette sœur là. Ah. Pourquoi là? Bakambi. Attends, vous même. Hein? Ah. Ok. Toi aussi, ça n'est qu'à moi. Alléluia. Amen. On appelle la sœur. Tu bengi de commencer. Le pasteur. Baba te la parole. Le Bakambi. Na Bakambi. Ok. Mutazi malo. Mama. Oyebie. Na ebie. Mukambi. Mutei. Ok. Mutei. C'est bon. Tu te plains. Et non. Alakaki Olibala. C'est quoi? Aobala Mutomusus. Alakaki Olibala. Ote. N'a le bai bon ote. Oh. Yo le bai bon ote nande. Ote. N'a na lota kinde ndoto. Oh. Et qui l'ont appuyé? Des pasteurs. Des pasteurs. Amen. Parce qu'elle était libérale, c'est frère. Ah, ça libérale, copain. Non, quand il dit, quand la prophétie est bon, mon témoin. Prophétie n'est bon, mon témoin. Brille. Dans l'autre, il brille. Le bel homme, il y a ça. Alléluia. Amen. Sans libérer. Descends. À mon avis, Badjini m'a bien ensemble. Assemble la latte, ça bat. Balata en simanan. Et on a le bas, comment on a sa visa? Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et pour finir, j'ai dit au frère pasteur, frère, vous l'avez induit en erreur. Il fallait venir me voir. Il fallait retourner en gare. Alléluia. Amen. Pour partager, on allait aider la sœur. Peut-être qu'il y a des choses que je faisais étant inconscient. Pour elle, peut-être c'était des confirmations. Quand j'acceptais ces cadeaux, moi je les prenais pour, comme cadeau d'un prédicateur. Pour elle, peut-être ça peut véhiculer un autre message. Frère, quel cadeau peut ça passer? Passer de mon abangobo, on va passer un mot de bon. On va passer un mot de bon. Donc, tika, je vous dis. Alléluia. On a connu un problème avec un frère. Réunion de couple. Le frère posa la question à la sœur. Il y a une réunion de couple. Il y a une réunion de fiancé. Il a dit, quand il a dit, il a dit, il a réfléchi. Ni fiancé. Mais lui, il m'encourage d'aller là-bas. Ce sont des choses de fiancé qu'on prêche. Comme il m'encourage, c'est que lui... Nuit de prière. Oh, oh, est-ce que ma fiancée? Il n'y a pas de fiancée. Oh, comment la fiancée? Ah, hein? Oh. Non, il est au Mukambi. Ah. Alléluia. Elles ont prié toute la nuit. Le lendemain, j'ai recevé. Il est venu. Papa, vous êtes informé de quoi? Mais la sœur X a eu un fiancé. Fiancé? Quel fiancé? Oh, elle était à la nuit des prières des fiancés. Oh! Un fiancé qui? Oh, Mukambi. Mukambi. Ah! Alléluia. Je vais d'abord observer. J'observe. Je t'appelle Mukam, viens. Quand tu es une fiancée, moi papa, mais la sœur telle, Ngaï, papa, oh, ta fiancée. Et d'abord, toi aussi c'est le Kamango. Sœur, Yagavana, Dadi Obengwai, attends d'abord Mukam, avant ça. Ok, sœur, prions, on prie. Sœur, Mukam bien Ngaï, t'es na boété, oh oh maman, bon monsieur ça rien dégaine. Alingaïo, oh t'es. Maintenant comment se fait-il que Sangwezo Panzana ke il a fiançaille. Ote, nini. Alobe qui n'angai. Ndenge nini yoko taka renyo aba couple te. Na vine naka na fiancé. Tabi a di kotaka na yo. Donc kokolo baka kotaka na yo wana papa. Salaka. Zamba pambola yo. Amen. Frère, Saganaga, tu peux nourrir d'espoir par tes gestes et tes cadeaux. Pendant que peut-être dans ta tête, tu n'as pas une mauvaise pensée. Fais très attention. C'est pourquoi les deux AD n'ont l'ingé à moi. Il y a un peu de balai, non. Souka, souka, on a commencé à aller le zoo. Il y a un sexe, comment on peut faire un sexe? Tu n'as pas ça, hein? Alléluia. Amen. Prêchez. Je suis à Rufunga, maintenant, mon abino déca. Je suis bino bino le lobo leki bino lobi na bengi bi ba musuno bal sa bango na makasi lokola bolingi ka bota ka bino mibale ya malamu to sambela ke les deux deviendront une seule chair. Et puis ba frère na kamwa
si tu as une idée, il y a madame. Comment vous bango, comment vous tambour la tambour la basse, nasser, vous en excellez pétan. Il va nous souper, il va nous souper, il va nous souper, il va nous frère. Batiki. On excellez tant, tikaya tambour la dendaemo. Je n'ai pas ma bébé, frère Bolimsa. Olobi kitoko. Troko la inse, pourquoi? Tu cherches quoi? Ou bien tu es ce que tu as faible, quoi, on le batte. Yako yé, bisanga dade. Nanga na monike, bipaye, wanande, bipaye. Bia malam. To sambeli, to sungio. Alléluia. Un frère était attaché à une sœur. Quand on a fiancé la sœur à l'ongo église. Oh. Alors, on a connu l'église, ma boto la batoubasi. Oh. Ma boto li batoubasi, mon guyaka. Papa Tolina, Tosa ko kata masango na zo simbiso na maboko yozo cha na nini na kitunga ya frère ma sœur bengana ye au nom de Jésus. Dans la vie, faut être encouragé. Adam mona Eve poème bima. Amen. Voici cette fois-ci os de maison mikwe cher de ma chère na tatanda balobi kaka kaka da ka ah. Alléluia. Amen. Comme tout le monde a battu, pas de battre à foufou. Il n'y a pas ça à Nid, Olamba. Nous avons une certitude que moi, c'est un oyé. Nous avons dit que la Bible gauche-droite. Tout droit la Bible. Et puis, je suis en Tchouba Makas. Et puis, je suis en moi, je suis en train de sentir que voici l'homme. Je suis en Di na vyombo ni watu nyoso ba pambo imponai. Na ndenge ni nabii eloko ngona bandeko luka tu na yangwa. Pa! Kao. Tokomi na bana mi balete. Tokomi na bana. Amen. Gloire à Jésus. Kosi mba mande fu bongo te. J'avais donné un témoignage d'une fille balobeli. Non, ya musika te. La femme, hein, bon, je m'étais la femme d'un pasteur, avant d'être sa femme, Agina, secrétaire, hein, bon, il y a un témoignage, j'en ai dit. Secrétaire, Dieu lui a parlé, Abi Mobali noyé, mais Mobali a monaba basi musus, na moi si musus, a mona kakanga mute, a sambela aneka, zabe kokisa, na na tora, maman, suka suka, ma kamonyon se beba. Suka mwana mbali ya bienga yenga nkolo alobele umeomona kate mwasi no utakala na chela kayo pembe balola misutala talibu ye lelo ya za nandako. Amen. E utakota nandako ministere e komingi ekilibrete e gangi hein? Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Est-ce que Dieu parle? Amen. Hein? Amen. Oui frère, il faut faire attention, il faut écouter la voix de l'esprit. Yoka mongongo ya molimo. La voix de l'esprit, c'est important. Amen. Tu n'as pas besoin seulement de témoignage. Dieu peut te parler toi-même. Amen. Yo. Alléluia. Amen. Yo. Quel témoignage as-tu? L'état de l'île nous a l'ango. Faut écouter l'esprit. Yo kamolimo. Hein? Qu'est-ce que Zali? Motuna. Ce qui a aidé cette sœur, c'était le témoignage de l'esprit. Elle a rappelé à Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir. Nous traversons une crise. Oui. Mais j'avais écouté ta voix. Qui m'avait dit. C'est l'homme de ma vie. Je m'accroche à cette voix première. Je sais. Que tu ne peux pas mentir. Et si il est sorcier. Toi qui m'avais parlé. Tu es capable de les délivrer. 3 ans après, l'homme, le Seigneur l'a restauré, il l'a élevé. Les hommes changent de langage.
C'est dans la Bible, Jean-Baptiste est celui qui avait présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui a été fait. Il a prophétisé ayant l'Esprit de Dieu. Mais le jour il était dans les difficultés, il a envoyé les disciples pour aller dire, est-ce lui ou un autre devait venir? Les moments difficiles peuvent nous pousser à douter même de ce que Dieu nous a dit. Mais si tu l'as réellement écouté, tu t'approcheras à ce qui t'avait dit. C'est bon? Qui a une question pour conclure? Question. Nous sommes en train de parler du mouvement de la bénédiction. Le mouvement de ta bénédiction. Tu dois discerner. Alléluia. Amen. Où Dieu te veut. Où Quand Par qui il a prévu de faire ça dans ta vie. Oui. Attention, quand tu tombes amoureuse ou amoureux d'une personne, donc au colota yé bongo. Et non, tu me suis tout. Amen. Amen. On comprend. Si tu as des penchants vers une personne, tu vas les rêver. Au colota yé. Amen. Amen. Mais ce que l'ingizamba le belo réellement, fais un effort pour être au milieu d'abord. Isabou. Et prends ton temps. C'est pourquoi je donne conseil avant de t'engager, avant d'avoir les penchants. Prends ton temps. Prie. Aussi longtemps que tu n'as pas encore eu de confirmation, ne t'engage pas. Parce qu'en s'engageant par les biens matériels, tu peux être corrompu moralement. C'est quoi si a bandé au peso Obama pendant 100 dollars? Ah, on l'autre voit en alimentation. Hein, maman? C'est, écoutez, dans le domaine sentimental, que ça la blague. Ta vie et ta mort en dépend. Il y a de ceux-là qui se sont mariés qui souffrent parce qu'ils ont commis un faux pas. Parce qu'ils ont commis un faux pas. Il faut prendre tout son temps. Prie de tout ton cœur. Pour que l'esprit te parle. Une fois l'esprit te parle, fais-le confiance. Ne force pas les choses. Fais confiance à l'esprit. Il va donner des moyens, il va occasionner tout. Que tu puisses te retrouver dans ce qui t'a dit. Souvenez-vous, Nombre 23, 19. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Amen. C'est bon? Bien, ma casse. Moutoua balaka. Pour na moisio ndenzamba bongisa pour nanga. To moutoua balaka. Pour oyo bizaleline pena Marie-Ange. Ok, écoutez, je suis en train de répondre parce que Eza piste mobimbo et koti bondumba lelo na église. Amen. Hein, maman? Amen. Tango bat baza 2, Eza na moutou moko tako contredire ngai. Moutou kaka boko ma attaché na ye. Ba limite, et koma kokwe, na kome san. Bozok. Alléluia. Hein? Frère, ngana sœur. Non, na oui, étudié. Mais comme tu chaque jour tu vas dire boy, moi le quoi na chelio. Ah, tu rouges bien.
Je l'ai dit, moi, apôtre, je t'ai donné mon témoignage qui m'a donné une leçon na vie. La première des choses à savoir, est-ce la femme de ta vie ou pas? Ce que vous avez dit, moi, c'est la vie. La période de la fiancée, c'est la période de la bizaleli, peko sungana. Pobo zalane zaleli moko. Pour permettre bino bossa la parcours malam dans le mariage. C'est ainsi mon lelo ba frère aza attaché na sœur na o étudier bizale nae. Na sima bizale le kande mama lo bisingé sié longwe alié pondu. Tango sié alié pondu bon na sima yo lo ba té na moni bizale li oyo et ça moi c'est vin ngate. Omonya asa ki attaché na oyo ba na moni détachement. O komo kanga mananga bo ndé. Oh o nga linga yo mais bo bima na ndé. Omoni alléluia. Ok. Bandeko baza sincère. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans la vie de commettre une bêtise na mutoyo bolingana te, mais par le fait que vous avez attachement affinité et ça là qui est même abîmé aussi. Boza. Hein? Toza. Tozali. Wato. Hein? Vamos pas qui m'embange les bandes parce que tombe la lobo les bandes. Merci pour la sincérité du dehors. Hein? Alléluia. Pour dire quoi? Yokangao. Ba papa babimana bana bango. Boye pwani. So ki azana kisite. Ce qui a créé affinité. Moko boye sala ke mwana valeur. To ba barrière ya bo papa ekweya. Ba valeur ya bo papa ekweya. Et ko sala ke mwana fiwana. Ako la tabilo kwa mikuse devant papa na ye. A woyoka sonite. A mon ango normal. Mais fiwaza kana ba barrière. Papa na bango. Papa oya. Alata ki mabe omuni po abongisi mbamo. Abongisi. So ki o remarke mama moko ayambaka yo. Kalabanda ko ki matango ana sengle. Si kwa ki makate azaka na sengle kota. Kompande ke ba barriere se kweya. Mukami. Kwe tidye mutu. Etidye na prière pe etidye a distance. D'ailleurs na distance kwe ba mutu mieux. Ke en étant attaché. Po na koza la tache moutou azaka hypocrite. Na so yibiso asol. Nga tozaka ba fiancé ti na ba fiancé. Na tika la ko silikate na ba degré oyo pena na silikaka. O comprenne? Jou moussou pena bo inakati anda kwa libala na tomboka ma ama tapane na sep. Pas to silikate boi. Na bia o yebakate. Na fache. Hein? O ya fiancé na o yanda kwa sa moussou na bia zaka gangay. Bon, il comme ça, on double boy. Donc, on a fâché. Vous comprenez? Ça veut dire, na fiançaille, j'étais hypocrite par rapport à la réaction, mon robot. Mais dans la batoubaye, on a na fiançaille, était ba maman, baba la bazawa. Batoubaye, on a bien, bien, dans le mariage. Amen. Et ça, boy. Bon, la moukaka naïe. Vous comprenez? Hein? À quelle cuisine, au talent? Nyon so ba mascara feinte, frère. Okoye baye bien en dans la on y a tié na le koloboy ndenga ko réagir les andenga nae na fiancé abando sa sam d'ailleurs na fiancé boko swan ya ke yo ke sima mi kono venga na téléphone allo ko komi o ya bo swani pena binemi mais asaka nanda kwa kete o vandi na salon le kikawa binemi na ake na cuisine et puis ennemi na yo zo servir ye yo zongo ba chef frère. Ils ont dit, quand on a eu un cake, comme vous êtes en taxi, moi, ok, ok, ma mon aoué, oh, 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 donc c'est important. Ce qui est important, c'est frère, quand tu as des intentions bonnes, prends d'abord ton temps. Prends tout ton temps. Ne crée pas les affinités. Les affinités créent quelque chose. Observe là.
Et d'ailleurs, nous sommes des chrétiens. Une meilleure façon d'étudier quelqu'un, c'est dans la prière. Dans la prière, frère, Dieu peut te révéler que la personne avec qui tu peux faire la vie, elle a tel défaut. Si tu veux l'aider, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Na réunion à couple, rappelez-la. Je vais vous donner des témoignages. Amen. Oui, frère. Non. Quand on dit parfois, c'est pas tango mususu. C'est pas l'absolu. OK. Donc c'est vraiment tout un cours qu'on doit donner. Amen. Écoute de l'esprit. Amen. Amen. Il y a Esa bandenge belé. Alléluia. Je donne un exemple. Moi Dieu me parle. Nzamba lobela kangai. Pour montrer ou soit pour me faire voir que la personne a un combat. Pour la connaissance de mutasa na bitu. Na mutu passe. Donc une fois côté na rayon nanga. Si tu as un grand combat ou un combat ont nécessité vraiment basungayo. Na oyo kanga. Mutu passe. Des fois, le Seigneur me parle pour une personne, Bamso a un problème. Yeah, je voulais prier pour lui. Misunanga. Alléluia. Pour ceux-là qui m'observent bien, dimanche, mon âme n'a changé de façon. Pandenge est belé. On dirait le comme au bruit. Ti misunanga est comme rouge. L'esprit me dit misunai. Il faut fouama. Laser. Attention, il y a deux volontés. Amen. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Je n'ai pas consulté Dieu. Natali kaka bonzenkansi na pembe na biyeyo. Ah, na koti awadi. Vous comprenez, hein? Je n'ai pas consulté Dieu. Ça, c'est moi. C'est Agar. Wanangai. C'est Agar. Agar. Avote Ismaël. Quand tu te retrouves avec Agar, soit kanga mouté ma vie mobimba, au subir. Ma conséquence. Conséquence. Or, c'est la chose la plus difficile chez l'homme. Pourquoi? Le mariage, c'est un bon cadre que le Seigneur offre à un homme pour qu'il vit le paradis sur la terre. Amen. Hein? Si ça ne va pas là-bas, frère, l'enfer sur la terre. L'ife de la mokili. L'enfer là-bas, papa va obéir à AVC. Basi au moni a fanti mobali nanda kubaza a félicité. Mibali, nous devons être reconnaissants et lokoyo. Wana moi si moko a troubla kayote. Béni Dieu. Amen. Tobete la bino ba témoignage. Oyoka somo ya mabala. Somo ya mabala. Moi si teti o wapia tele makatia matina mbeto mobali na sa ota na kokende te. Sale le konyo sungo sala. Alléluia. Osakanaka. Frère, kobaloyo. J'avais promis, on va parler sur le mariage. Amen. Kobala. Donc, quand quelqu'un veut se marier, il doit rechercher la volonté parfaite, pas la volonté permissive. Basali, bangonyons, bisonyons, et les bandimi. Nous sommes soumis à un principe moko, la volonté parfaite. Amen. Quand quelqu'un se retrouve hors la volonté parfaite, à ta boti 40, c'est dans la volonté permissive. Toute volonté permissive est à ba conséquence. Quitte à mouto à si à côté volonté permissive, à kangamouté manango tisuka. Saoul était un roi selon la volonté du peuple, pas de Dieu. David était le roi selon la volonté de Dieu. Remarquez la vie de David par rapport à ce qu'il a fait au peuple. Et Saoul, tu comprendras beaucoup de choses. Hein? Dieu nous juge par rapport à la décision et à départ. Mais par rapport à la conséquence et à la décision, notre. Yo, quand on va là, yo, quand on a dit que yo, moi, c'est la vie. Ata bobo ti bana 40. Échanger, ce qui va te bobo ti 40 de comme parfaite. Ezo koma parfaite était pour boti. Eza parfaite parce que zanzambe alobi ke yangoui. C'est bon? Il y a des ministères qui sont les volontés permissives.
Dieu permet naïe au sala ministère au longwa qui pour boire les imbongo amabonza au bandit elle Paris naïe. Yoann ok elle Toulouse. Hein? Au Betty Mbundaye sur Nazali abatupe baye. Est-ce un ministère dans la volonté de Dieu? Hein? Non. Alléluia. Baboya ramoa si t'es poisa sorcière. Serviteur de Dieu Yoganga. Baboya ramoa si t'es poisa nandok. Loba. Yo si koza moussali anan. So koza moussali an zambé. Zambaza incapable au kango lena kindo. Hein? Une fausse raison. On nous amène des enfants sorciers dans l'église. Tolexarabango délivrance par kango lena kindo. Pourquoi nous relexamois si noté? Alléluia. On est déjà qu'aucun nango serviteur de Dieu à Bangindoki à Boyanai, c'est qu'il reconnaît qu'il a un Dieu incapable de délivrer sa femme, la sorcellerie. J'allais donner un témoignage dimanche. Écoutez, un papa, le Seigneur a prévu qu'il puisse se servir de lui. Maïbaté, qu'est-ce que Dieu a créé comme circonstance? Moi, si malade, bas soigné, simbaté. Il s'est mis à chercher la face du Seigneur. Pendant le bico, moi, si naï, il regarde les enfants. Qui va rester avec ses enfants? Je dois chercher Dieu pour qu'il puisse guérir ma femme. En cherchant Dieu, Dieu s'est révélé pour dire au moni makamunyo so na sala ki ango o yoka koya na makolo nanga. Tala na osala no boy. D'ailleurs en toi, il y a un don de la guérison. Tu comprends? Amen. Don de la guérison. Et après la retraite où il a eu toutes les informations pour travailler, il est rentré à la maison, il a imposé la main sur sa femme. La femme guérit jusqu'aujourd'hui. Et c'est un ministère puissant où Dieu guérit les malades. Pourquoi? Parce que Dieu a créé des circonstances pour révéler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, témoignage, j'ai moi, si mon kwazaki qui toque ma casse, je suis na kunki. Hein? Kunki ou wad. Maman, na kunki. Liba la famille babi makambo to kotate. Mobala linga bala e ba to famille babi. Makamboy to boy na biso. Moi si a boy, bo senga muke. Ba oke ne kuna dega, mobali ota ko yoso so la kaza na kunki. Akozung se. Bala mususu aza avegle na bolingo. Bolingo diminue ka. Tango ko diminue, akozung se la bino kunkia. Alléluia. La prière de cet homme, zaki nzambe fo mi glorifier na libala o. Vous savez le que salama. Alléluia. Amen. Azaï Nazem. Avant de vous taper, tant le Seigneur l'a visité, je vais vous prier à Komi Nazem. Jour à quel vous avez trouvé que Azana Bana va ma passe. Équilibre ici à côté de la vie, tout va démontrer que tu es à côté. Amen. Isolé. Elle est restée seulement avec son mari. L'homme qui l'aimait na Kunkina. Le jour Yakobo. Poussé, moi na liboso a bib. Ya mi balé. Ouais, ça y na bana mi balé, c'est bon. Mais médecin a dit non 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 non. Il y a encore un enfant, un troisième est là. Oh, amen. L'échographie a démontré qu'il y a deux enfants. Le troisième vient tout. Donc on va voir. Poussé. Maman a bimi sa troisième moine. Masse. Pou et bimi. Amen. Beauté au wap. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes bien pas pour la libanaye. Amen. Merci. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout, vous qui aimez l'évangile que nous vous apportons, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Et nous profitons de cette opportunité pour bénir le mois de juillet. Je déclare ce mois un mois mis à part pour la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Nous venons auprès de vous pour solliciter votre aide, votre soutien, parce que l'Assemblée chrétienne montagne de Rephidim a un problème de la place. Nous devons déménager d'ici le 15. La place que nous louons, on avait fait le contrat avec la maman de la BRS qui n'avait pas tenu sa fille informée. Et sa fille a obtenu un crédit de $100,000. Elle s'est décidée de venir commencer les travaux.
C'est ainsi, la maman qui est venue de l'Afrique du Sud pour se faire soigner, elle nous a informé le 30 juin que nous devons déménager parce que sa fille, qui est la propriétaire, vient pour commencer les travaux. Et par le fait qu'on avait déjà commencé l'opération achat parcelle, nous avions jugé bon de pouvoir accélérer cela au lieu de chercher une place quelque part qu'on puisse acheter la parcelle qu'on nous avait proposée. On nous avait proposé deux parcelles. Une, c'est déjà parti. Il reste une parcelle et c'est à 190 000 dollars. Nous venons auprès de vous, hommes qui ont un bon cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est en rapport avec Exode 25 à partir du premier verset en descendant. Dieu a dit à Moïse, construis les tabernacles. Mais pour les matériaux, il a dit au peuple de donner les offrandes pour la construction. Aujourd'hui, je viens comme Moïse et Réphidim comme étant le tabernacle de Dieu et ton argent comme l'offrande pour la construction. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il y a aussi une histoire de Saul qui persécutait l'Église. Et quand Christ lui est apparu, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ça veut dire, autant de fois qu'il persécutait l'Église, c'était Jésus qui persécutait. Nous pouvons dire aussi, autant de fois que tu peux soutenir l'œuvre de Dieu, c'est Jésus que tu soutiens. Nous tendons la main vers toi. Toi qui as un bon cœur avec 1 euro, 10 euros, 10 000 euros, pourquoi pas 100 000 euros, pourquoi pas une personne pour dire, moi je vais donner 190 000 euros pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Jésus-Christ a besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien, de ton aide. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Merci de votre soutien. Nos numéros de compte sont affichés sur les bancs de votre écran. Que Dieu vous bénisse.